Puis progressivement, le réalisme va évoluer vers le naturalisme. Le naturalisme est un courant qui veut toujours recréer le vrai, mais en tentant de démontrer l'influence de l'environnement, de la famille ou du milieu social sur les individus. Zola s'appuiera sur ce courant pour créer une œuvre monumentale de 20 volumes sur la classe ouvrière, Les Rougon-Macquart. Le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple, dit-il dans la préface de l'une de ses œuvres. Dans ces romans, les personnages héritent des vices de leurs ancêtres. Ainsi, Gervaise, modeste lingère dans l'Assommoir, est condamnée à l'alcoolisme et à la misère comme l'étaient ses parents. Par ce travail sur l'hérédité dans la fiction, Zola met en avant une forme de tragique sociale moderne.